Quand j'ai écrit 325 000 francs, il y a quelques années, j'habitais au village, sur les confins du Jura et de la Bresse. Immédiatement au-delà de mon jardin commence la forêt de buis. Dans cette région, le buis devient géant. Les vieux buis rivalisent de hauteur avec les jeunes chênes. Le sous-bois est obscur, touffu, hostile. Au siècle dernier, les artisans de la région taillaient dans le buis des manches à outils, des boules et surtout des peignes. Il m'arrivait souvent de m'engager sur une route étroite qui serpente parmi les buis pour descendre jusqu'à une petite ville au creux d'une vallée qui paraît sans issue. C'est Oyonnax, la capitale du peigne. Un jour, le peigne en celluloïde remplaça le peigne de buis. Puis les chimistes inventèrent un grand nombre de nouvelles matières plastiques. Plus besoin de tailler, on moula. La machine à mouler, c'est-à-dire la presse à injecter, remplaça l'artisan. Du peigne et des lunettes, on passa aux fleurs, aux meubles, aux bateaux, aux poupons, aux poupées, aux poubelles. Toute la population d'Oyonnax tire sa subsistance, vit, comme on dit, de l'industrie du plastique. La matière plastique englue, enlise, dévore la vie de toute la population d'Oyonnax. Quelques artisans s'obstinaient à tourner le buis, ou, tel le père Buzard qui se prenait pour un artiste, à sculpter dans la corne. Sa femme et sa fille Hélène travaillaient à domicile, toute la journée, pour polir les lunettes moulées dans l'usine voisine. J'aime les garçons qui savent dire non. Bernard, le fils de Buzard, avait dit non une fois pour toutes. Du moins, il le croyait. Non à l'artisanat, non à la presse injectée. Il ne voulait pas être une machine parmi les machines. Il vivait en marge, mangeant et dormant chez ses parents, gagnant un peu d'argent en transportant les objets moulés de la fabrique aux ateliers de finition. Entre deux livraisons, il attaquait l'école pour s'entraîner. Les dimanches de la belle saison, il courait pour son club, l'Union sportive d'Oyonnax. Il lui était arrivé de terminer premier. C'était peut-être ainsi qu'il échapperait à la matière plastique. Le grand Bobet aussi, et le dur Robic, avaient commencé leur carrière dans les courses du dimanche à l'échelon départemental. Alors ? 1 minute 40 secondes, 2 dixièmes. En changeant de braquet dans le virage, je gagne 1 seconde. Pourquoi pas? Essayons. Je t'attends là. Bernard Buzard était en forme. Pour que l'athlète soit en forme, il faut que la graisse, la lymphe, tout ce qui alourdit, se soit transformé en nerfs et en muscles. Que la matière soit devenue forme. L'athlète parfait s'imagine flamme, se consumant dans la performance sans laisser de cendre. C'est peut-être pourquoi j'éprouve tant de fraternelle tendresse pour les jeunes héros des stades, du ring et de la route. J'avais vu sur le visage de Buzard qu'il éprouvait la même allégresse que lorsque je viens d'achever un chapitre dont je suis content. Tu as gagné 1 seconde 3 dixièmes. Cordélia, ma femme, s'était liée d'amitié avec Marie-Jeanne Lemercier, la lingère. À Oyonnax, gagner sa vie en brodant des jours dans le linon, la soie naturelle, la batiste, alors que toutes les femmes de France déjà ne portaient que du nylon, c'était une sorte de défi qui enchantait Cordélia. Tu gagnerais davantage à l'atelier? Quel atelier? Avec ta mère? Très peu pour moi. Le père de Marie-Jeanne était mort à l'atelier, le crâne fracassé par une presse à celluloïde. Sa mère travaillait à l'usine. Elle emballait 8 heures par jour des objets de matière plastique dans des housses en matière plastique. Non, très peu pour moi. Et ton cœur? Tu ne fréquentes pas? Les hommes sont égoïstes. Les jeunes gens, ce qu'ils aiment, c'est pouvoir se vanter. Et les moins jeunes? Ceux-là, ils essaient tout de suite de vous toucher. Quand on leur dit non, c'est toujours la même chose. Ils répondent, ne fais pas la sainte mi-touche. Tout le monde sait très bien que tu n'es pas aussi sage que tu veux le faire croire. Qu'est-ce que ça les regarde si j'ai eu des amis? Pour ce que ça a duré? Et Buzard? Au bal, pourquoi tu ne danses qu'avec lui?
Il a son amour-propre. Il ne faut jamais vexer un homme. Enfin, Buzard t'aime, ça se voit. C'est vrai, il m'aime. Et alors? Personne à Iona n'arrivait à savoir si Buzard était le fiancé, l'amant ou le camarade de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne est froide, Marie-Jeanne est dure. Moi, je comprends pas que Bernard puisse aimer cette fille. Elle est réservée, délicate, fragile. Tu ne comprends rien aux femmes. Si j'étais Bernard, ce que je préférerais, Juliette. Mais on le sait, on le sait. Juliette Doucet travaillait aux établissements Plasteforme. Elle mettait sur carton des dinettes de poupées. Les hommes disaient d'elle, quel beau châssis. Lorsque les voyageurs de commerce inscrivaient Oyonna sur leur carnet de tournée, ils se sentaient soudain plus heureux, ou moins malheureux, parce qu'ils pensaient qu'ils verraient Juliette Doucet sur son scooter. Elle me faisait penser aux statues de la victoire dans les temples grecs. On disait que c'était Paul Morel, le fils du patron de Plasteforme, qui lui avait offert son scooter. C'était probablement vrai. On disait aussi, elle en tient pour Bernard Buzard. Hé, hey, Bernard! Ciao. Le circuit cycliste d'Oyonnax se dispute chaque année, le premier dimanche de mai, entre les meilleurs amateurs de 6 départements, l'Ain, le Rhône, l'Isère, le Jura et les Deux-Savoie. Dépêchez-vous, Marie-Jeanne! On va rater le départ! Tu y penseras ce soir à tes cheveux, on est en décapotard, regarde-moi! Tu savais que Bernard a failli ne pas être sélectionné? Oui, il me l'a dit. Ça aurait été dommage, non? Roger m'a dit qu'il lui a paru en pleine forme. Marie-Jeanne ne s'intéresse pas aux champions. Quel garçon qui parle avec le fils Morel? C'est Tissot. Son favori, son chouchou. L'espoir d'Oyonnax. Et aussi l'un de ses ouvriers. Ouais. Il se prend au sérieux aujourd'hui, le fils Morel. La tactique. C'est l'homme. Bonjour, Bernard. Salut. Bonjour, Bernard. Bonjour. Qu'est-ce que tu bois? Vitel Cassis. Bah. Les sportifs, c'est comme ça. Ah oui, la forme. Monsieur Vaillant, c'est gentil de suivre la course, Madame de Marie-Jeanne. Ça nous fait plaisir. Et cette forme? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je crois que je vais faire des étincelles. Si on te le permet. Alors c'est vrai, vous voulez suivre la course? Oui. Vous voulez la mettre dans un nouveau livre? Qui sait? C'est une belle course. Le col d'Isère Nord, quand on vient de Touarette, c'est dur, hein, Buzard? Ça ne fait pas peur, hein? Oui, ben en attendant, pas de bêtises. Les 100 premiers kilomètres, tu restes dans le peloton. Même si tu as l'impression que tes roues te poussent au cul. À moins que Tissot s'échappe, évidemment. Tu crois qu'il s'échappera pas avant? Tu le verras bien. Quand il s'échappera, tu colleras à sa roue. Si t'en es capable. Accroche-toi à lui, fais ce qu'il te dira. S'il te demande de mener, tu mènes. T'occupes de rien. La course, c'est pas toi qui dois la gagner. C'est le club. T'as bien compris? Ouais. Le cyclisme, c'est aussi un sport d'équipe. La difficulté avec les jeunes, c'est de leur faire comprendre la tactique. Le cerveau. Le cerveau. Voilà avec quoi on gagne les courses. Enfoncez bien ça dans le crâne de votre bon ami. Vous tutoyez le fils Morel? C'est lui qui y tient. Vous savez, on a été à l'école ensemble. Et puis, c'est pas un mauvais type. Quand il peut nous dépanner, il le fait volontiers. Et réciproquement? C'est vrai, oui. Ça m'arrive de lui prêter 4-5 000 francs. Ah, le père Morel est dur à la détente. Alors, tous sur la ligne de départ! Bon, tout à l'heure, Marie-Jeanne. De savoir que tu m'accompagnes, ça va me donner des ailes. Tu es contente? Oh, tu sais ce que je pense du vélo.
Moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est la promenade. Bonne chance. Je suis sûr que ça marchera très, très bien. Foncez, vous occupez pas de la tactique. On sera derrière vous, on vous encouragera. Tu vas voir comme elle crie. Bonne chance. Salut, Bernard. Le rouge te va bien. Tu m'emmènes au bal ce soir? Ce soir, j'aurai sommeil. Bon, ça va. Je veux pas te faire avoir des ennuis. Laisse ton scooter et viens avec moi. C'est toi qui donnes le départ. Formidable. Pense à toi, je te tiendrai les pouces. Ça te fera gagner. Il a aucune chance. Vous êtes prêts? Vas-y. Partez. Allez, Bizarre! Vas-y, Bizarre! Vas-y, allez! Garde ton shoot pour plus tard, il en aura besoin. On va les attendre au col. Amis sportifs, attention, dans quelques instants, le passage du Grand Prix de la Droguerie Centrale, en haut du col de Corbésia, où sera disputée une prime de la municipalité. Attention, amis sportifs, dans un instant, le passage des coureurs. Hé! Je sais pas, je vois pas du tout. Attends, chronomètre. Il en a envie, le petit, là. C'est le numéro 9 qui gagne la prime en haut du col de Corse. Il est seul? Ça, j'aurais jamais cru, puisque je connais pas ce petit gars. Ça fait voir combien de temps il a pris. Presque une minute et il n'y a toujours rien. Oui. Ah oui, il y a toujours les courses, c'est toujours le même coup. C'est des gars qu'on n'attend pas qui arrivent. Et notre Bernard alors? Vas-y, Bizarre! Vas-y! Vas-y, Bernard, vas-y, allez! Hé, hey, Morel! Vous connaissez le gars qui est passé le premier? Numéro 9? C'est un Bressan, un ventre jaune, un plouc! C'est la première fois qu'il sort de son village. Oui, en tous les cas, il a pris 2 minutes d'avance sur 20 kilomètres. Il a les jambes courtes, il ira pas loin. On rattrape Bizarre? Non, on va l'attendre à Toirette en coupant par l'ancien homme. Bon. Voilà Morel. Alors, qui est-ce qui mène? C'est toujours le plouc? Oui. Mais votre bon ami fait l'idiot. Il le poursuit tout seul. Je lui ai pourtant défendu de lâcher le peloton. Il n'est qu'à 50 secondes du Bressan. Il va le rattraper. Pourquoi Morel dit-il que Bernard fait l'idiot? Parce qu'il se fatigue trop tôt. Il n'en fait qu'un tiers du parcours, il leur reste 92 kilomètres. Combien? 4 minutes. Allons le dire à Buzin, ça l'encouragera. Tu as 4 minutes d'avance sur le peloton. Ils sont à peu près à 3 km. Il n'a pas l'air de fatiguer. On verra. Il y a un isolé à 300 mètres. Écoute-moi, le peloton est à 3 minutes, mais il y a un isolé derrière toi, attends-le. Mais attends-le donc. On roule mieux à deux. Mais ménage-toi, espèce de brute. Mais sprint pas maintenant, tu sprinteras à l'arrivée. Si tu en es encore capable. Putain, nom de Dieu. Oh, le pauvre Bressan, il a crevé. Tu veux? Allez, pose pas de questions, passe-moi ton boyau. Dépêche-toi. Pourquoi est-ce que Bernard l'attend? C'est aussi son intérêt à lui. À deux, on mène à tour de rôle. 1 minute! Allez vite, brouille-toi! Ils sont encore à 3 minutes, ça ira! Ça ira. Je me sens en pleine forme.
Laisse-moi gagner la prime au col. J'y ai droit, j'ai toujours été en tête. Hé, hey, je l'ai mérité. Tais-toi, cornio, dépêche-toi. Je te plaque, moi. Où en sont les autres? Théoriquement, à 1 minute et demie. Et le col? À 2 kilomètres d'ici. 22 à l'heure. C'est beaucoup? Vous voyez pas la route? Des pentes comme ça, tu as déjà monté à bicyclette, toi? Mais ils sont étonnants. Des professionnels ne feraient pas mieux. Bernard a tellement envie de passer professionnel. Il le sera. Pour l'instant, c'est le paysan qui fait tout le travail. Oh, ben non, ce n'est pas chic. Chic, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de gagner, non? Mais c'est le petit qui a fait tout le boulot, tu l'as dit toi-même. Tant pis pour lui, combat pour le sport. Tout ce qu'il veut, c'est la prime. Mais il a la... J'ai la cupidité. Il a peut-être vraiment besoin de cette prime. Tu comprends rien au sport. Oh, donc tu parles comme un fasciste. On commence dans la course. Aucune chance. 3 minutes, qu'est-ce qu'il te fait de plus? C'est vrai, Marie-Jeanne. Maintenant, il peut gagner. Mais... il le lâche? Mais Bernard ne va pas le lâcher? Il le faut maintenant. C'est la fin. Plus de 35 kilomètres. Je hais les courses. C'est la dernière fois. Je vous déteste tous. Qu'est-ce que c'est? Du thé. Vous n'avez pas de l'agneau? Tu es fou, ça va l'achever. Ça n'a plus d'importance. Laisse-le dormir. Maintenant, c'est Buzard qu'il faut rattraper. Regarde! Il est reparti. C'est un bœuf. Un bœuf de labour. Allez, Bernard, allez! C'est dans la poche!
Attention. Chronomètre, ne descends pas de la voiture. Allez les gosses, c'est la peine. Rien de cassé? Je crois pas alors. Tu es blessé? Mais non, ça va, je continue. Essaie, vas-y, tant que tu peux, hein. Mais on ne peut pas le laisser courir, il faut le mener à l'hôpital. Il sera toujours temps s'il tient pas le coup. Mais il saigne. Oh non, c'est Roger qui a raison, je vais continuer. Allez, va attendre ta chance jusqu'au bout. Combien a-t-il perdu? 45 secondes. C'est le passage. Un mouchoir. Soif. Abandonne. Allez Bernard, accroche-toi, c'est la fin. Plus que 500 mètres. Je peux plus. Bonjour Simon, comment ça va? Ça va, moi passé à la radio, j'ai rien de cassé. Tu as mal? Oh, juste un peu à la cuisse, c'est un cas gras, ça fait pas de bien. Et ta tête? Là? Juste une égratignure. Oui, alors tu seras bientôt? Oui, demain. Vous avez le journal, on parle de moi? Non, oh, tu sais, on parle à peine de la course. De toute façon, j'ai eu raison de pas écouter Paul Morel. On m'a remarqué. Si, si, je le sais. Paul Morel a été bien obligé de me le dire. Il est venu me voir. T'es assez chic dans le fond. Eh bien, le représentant de Sauvage, Sauvage c'est une marque de vélo. Le représentant de Sauvage a demandé mon nom. Et ça, c'est sûrement pour me proposer un contrat.
Je tiens le bon bout, cette fois-ci je passe professionnel. Tu me crois pas? Le dimanche j'avais gagné moi sans cette chute. Avec des si. On a tous confiance en toi Bernard. Tu es le plus fort. Bon eh bien je vous laisse. Ciao. Au revoir, merci pour le chocolat. Il faut que je parte moi aussi. Oh, tu vas bien rester 5 minutes. Je suis déjà très en retard, tu sais. Au revoir Bernard. Au revoir Marie-Jeanne. À demain. Assieds-toi. Tu es sans cœur. Comment va ta jambe? Très bien, la cuisse est encore un peu raide, mais dimanche, je crois que ça ira bien. Je pourrais courir. Tu vas t'esquinter. M'esquinter? J'en ferai bien d'autres si tu m'aimais. Tu verrais ce que je pourrais faire. Comme tu es jolie, Marie-Jeanne. Tu me diras ça tout à l'heure. Tout de suite? Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Petite garce. Tu me demanderas pardon tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est-à-dire lorsque l'horloge sonnera 11 heures. Marie-Jeanne a imposé à Bernard un cérémonial. Des rites. D'abord, elle ne le reçoit que 2 soirs par semaine, le mardi et le jeudi. Pourquoi le soir? Le vendredi, elle se couche tôt parce qu'elle sait que le samedi, elle ira au cinéma. Et le dimanche, au bal. Le lundi, parce que c'est le lendemain du dimanche. Le mercredi, parce que Buzard est resté tard la veille. Vous voyez, elle ne peut pas le recevoir plus souvent. À 8h30, quand il arrive, Bernard a droit aux lèvres de Marie-Jeanne. Ensuite, elle travaille. Ça, elle ne veut pas que la soirée soit perdue. Garce. À 10h, récréation. Marie-Jeanne offre les cerises. À 11h, il a le droit de s'étendre près d'elle, sur le lit. Il a gagné cette faveur au 14e mois de sa cour. Et qu'est-ce qu'ils font sur le lit? Ils s'embrassent, ils la caressent. C'est tout? Marie-Jeanne n'est pas sa maîtresse. Non, elle me l'a dit, je la crois. Pourquoi une fille se refuse-t-elle à un garçon qui lui plaît? C'est ce que je me suis toujours demandé. Parce qu'elle a peur qu'il lui fasse un gosse. Et elle a des raisons d'avoir peur. C'est pourquoi depuis 4 ans, elle est sage. Après cette conversation, j'ai noté. Les rapports d'un être qui désire et d'un être qui se défend prennent le plus souvent un aspect juridique. Certains cœurs, certains corps ne s'acquièrent qu'après d'interminables procès. Chaque nouvelle privauté coûtait à Buzard plus de soins à obtenir qu'à des diplomates mûris dans la carrière des modifications d'un traité international. Mais le propre des traités est d'être toujours remis en question. Moi, ce que j'achèterais, c'est une Alpha. Peut-être une MG. En tout cas, une voiture de sport, décapotable. Tu veux crâner tout seul au volant? Tu seras assise à côté de moi. Il y a longtemps que tu m'auras oublié. Tu veux qu'on se marie tout de suite? Oh, si je voulais épouser un champion, ce n'est pas toi que je prendrais. C'est le Bressan. Oui, père. Tiens, prends. Ah.
Bien. Non, Bernard, je t'en prie. Tu vois bien que je perds la tête. Comme tu es belle, Marie-Jeanne. Il fallait bien que ça arrive. Marie-Jeanne. Je t'aime. Je t'aime tellement. J'arrive pas à y croire. Dis, c'est bien vrai, toi aussi, tu m'aimes? Moi, tu peux pas savoir. Depuis si longtemps, Marie-Jeanne. Tous les soirs, tu viens chez toi. Les jours où tu veux pas que j'entre, ben, je viens quand même. Je me cache derrière les buissons. J'attends que ta fenêtre s'éteigne. Dis, Marie-Jeanne, c'est vrai, c'est bien vrai que tu veux être à moi? Il faut être sage, Bernard, reste tranquille. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Mais tu voulais bien? Je ne veux plus. Rien? Non. Une garce. Rentre chez toi, Bernard. Je te demande pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Tu n'es pas fâchée, hein, Marie-Jeanne? Je suis fâchée contre moi, c'est pour ça qu'il faut que tu partes. Ça vaut mieux pour tous les deux. Tu sais, je t'aime, Marie-Jeanne. Chut. Je t'aime, je veux te le prouver. Demande-moi n'importe quoi, je me sens capable de tout. Mon pauvre Bernard, tu n'es même pas capable d'avoir une maison et un vrai métier. Oh, si ce n'est que ça, dès demain, je demande à Paul Morel de me faire rentrer à l'usine. J'ai dit un vrai métier. Même si j'étais folle de toi, je ne voudrais pas d'un mari qui travaille dans le plastique. Mais je ne veux pas rester dans le plastique. Je veux partir, quitter ce trou. Tu n'as pas encore compris? Voilà ma condition. Mais quand je serai coureur professionnel, on quittera Oyonna. Bon, nous attendons pour le marier que tu t'appelles Louison Bobet. Bon, nous quitterons Oyonna cette année même, je te le jure. Tant pis pour le vélo. Pendant toute la semaine qui suivit, personne ne rencontra Buzard à Oyonna. Un épervier. Un gros. Il chasse. J'ai rencontré Marie-Jeanne. Ta Marie-Jeanne. Ton Buzard, il a fait la grande scène. Il a la passion. Pauvre Buzard. Il renonce au vélo, mais... Je vous déteste. Nous, qui nous? Les femmes. Ce n'est pas vrai. Quand Buzard avait disparu, il était allé voir à Lyon des camarades de régiment qu'il avait mis en contact avec le propriétaire d'une chaîne de snack bar. On lui offrait la gérance de celui-ci, très bien situé, lui avait-on dit, dans une région touristique. Les conditions étaient intéressantes. Buzard avait calculé qu'en 10 ans, ils pourraient, avec leurs économies, racheter le fonds. On demandait à Buzard une caution de 700 000 francs. Son père lui prêtait 150 000, la moitié de ses économies. Marie-Jeanne lui apportait 225 000, placés par sa mère et par elle-même à la caisse d'épargne. 700 000 moins 375 000. Nous sommes encore loin du compte. Dommage, ça m'aurait bien plu ton snack. Bon, reste à trouver 325 000 francs.
J'ai mon idée là-dessus. Tu ne restes pas? Non. À jeudi, Marie-Jeanne. Salut. Salut. Content de te voir. T'as des nouvelles des gars dont je t'ai parlé? Qu'est-ce qu'ils te proposent? Oh, je suis pas venu pour ça, j'ai à te parler. J'ai besoin d'argent. Tombe mal? Je peux pas prendre ça tout de suite. De combien t'as besoin? 325 000 francs. Ah, ben je respire. Pour les transferts de capitaux, tu t'adresses à Morel Père. Maintenant, si tu as besoin de 25, oui. Non, j'ai besoin de 325 000 francs. Bon, Bernard! Alors, et cette jambe? Tout à fait guérie? Tu reprends l'entraînement? Tu sais pas ce qu'il est venu me demander? 325 000 francs. 325 000 francs? À toi? Oh, c'est pas vrai. Écoutez, je suis pas venu ici pour rigoler. Ces 325 000 francs, j'en ai absolument besoin. T'as fait des conneries? Non, mais je suis prêt à en faire si tu m'aides pas. Mais mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu veux? Écoute-moi. Pour économiser 325 000 francs en travaillant aux presses chez toi, horaire normal, il me faut un an. Et ça, c'est trop. J'ai besoin de cet argent avant la fin novembre. Je voulais te demander de faire tous les jours, dimanche compris, 4 heures supplémentaires. J'ai calculé que... Moi, je veux bien, mais... Alors, tu es d'accord? Écoute, j'ai pas le droit de t'en parler, mais entre nous, le carnet de commandes est pas brillant cette saison. Papa marchera jamais pour les heures supplémentaires. Et si je le fais au prix des heures normales? C'est toi qui me proposes ça? Enfin, ça te regarde? Parfaitement, ça me regarde. Mais chez nous, tu sais comment ça se passe. On fait les 3-8. Alors si un gars tout seul fait 12 heures par jour, il fout la virole dans le chantier? Bah, confie-moi une presse 24 heures sur 24. Ah, t'es vraiment tombé sur la tête. Mais non, je la prends avec un copain, on s'arrangera tous les deux. Mais pas de temps mort, la maison n'y perd rien. Et toi? Quoi, moi? Tu n'y perdras rien, toi? Et ta saison cycliste? Oh, le circuit m'a claqué, ma jambe me fait mal. Mais tu n'as jamais voulu travailler aux presses. Tu serais bien que tu n'aies pas fait pour être ouvrier. T'as lu ça dans son horoscope? Bon, d'accord, mon vieux. Non, m'en remercie pas. Tu trouveras jamais un gars assez cinglé pour marcher dans ta combine. Me rendre mes 5000 francs? Quels 5000 francs? La prime que tu m'as volée au col. Oh, ouais. Passe-moi la clé. Gagner 325 000 francs? C'est à voir. 325 000 francs d'ici la fin novembre. C'est à voir. Explique toujours. Si nous commençons après-demain, le 16 mai, nous aurons fini le 18 novembre. Tu logeras chez moi? Partagera ma chambre. Et tu donneras juste quelque chose à ma mère pour la nourriture. Alors? Pourquoi c'est moi que t'es venu chercher? Parce que je t'ai vu courir, je sais que tu es fort. C'est pas 12 heures de travail qui te ferait peur. Oh, ça j'ai déjà fait plus. Et à la file même. Et justement, c'est ça que je comprends pas dans ta combine. C'est les 4. On voit que t'as jamais travaillé en usine. 12 heures de suite aux presses, c'est pas possible. Quand tu seras, tu comprendras. J'y serai jamais. 325 000 francs. Ah oui, mais je peux pas. Je pars au service à la fin d'année. On aura fini bien avant. Oui, mais chez nous, quand on est conscrit, c'est toute l'année qu'on fait la fête.
t'empêchera pas de faire la fête. 4 heures de boulot, 4 heures de repos. Tu auras tout le temps de te cuiter. Je suis conscrit. Chez nous, ça se fête au village, avec les copains. Et quand tu seras soldat, 325 000 francs, ça te fait un joli pécule, ça. Alors tu crois que tu auras plus soif à la caserne? Tu pourras t'en payer des tournées. Et puis des filles aussi. Je suis conscrit. Tu as bien dit. 325 000 francs. Oui. En 187 jours. En 187 jours, oui. Quel jour on aurait fini? Le 8 novembre, à minuit. C'est quand cette année qu'ils appellent la classe? On l'a dit à la radio le 12 décembre. Un mois pour faire la brinque, c'est déjà pas si mal, non? Je suis ton homme. Bernard versa en acompte les 375 000 francs rassemblés par Marie-Jeanne et lui-même. Le solde, c'est-à-dire 325 000 francs, payable le 20 novembre. C'est lui-même qui proposa la date, 20 novembre. Pourquoi le 20? Il avait calculé au plus juste en fonction du nombre d'heures à passer à l'usine. Habitude de sportif pour qui compte dixième de seconde, ou bien goût de l'exploit? Besoin d'augmenter la difficulté pour avoir davantage de mérite en triompher? Je ne sais pas. Il y a toujours quelque enfantillage dans les règles que se fixent à eux-mêmes les jeunes héros. Vas-y, tu peux ouvrir. La matière refroidisse. Tu sais à combien il faut la chauffer pour qu'elle fonde? 180 degrés. Alors, 20 secondes pour la refroidir, il n'y a rien de trop. Remarque, il paraît qu'ils sont en train d'étudier un procédé pour que ça aille plus vite. La grille est ouverte, le courant ne passe pas. Le moule ne peut pas se refermer. Allez, n'aie pas peur. J'ai peur de rien. Ferme la grille d'abord. Ferme la grille, ouvre la grille. On n'est pas des mômes. Mais c'est obligatoire maintenant. Tu sais, les inspecteurs du travail, ils rigolent pas là-dessus. Oh, encore un truc de fonctionnaire. Mais des mains coupées, des pattes coupées, t'en as jamais vu en ville? Tiens, mon oncle, un frère à mon père. Il a laissé sa main droite à l'âge de 18 ans. Et comment ça lui est arrivé? Reste endormi avec la main dans la presse. Ah, oh, bah alors évidemment. Faut être vraiment feignant aussi pour s'endormir avec un boulot comme ça. Bon, je vais faire une vidéo en ville. Trafic à midi. Ça fatigue pas trop. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu t'en doutes pas un peu, non?
J'ai rien à me reprocher, moi. Je travaille. Tu travailles, en effet. À deux, vous faites le travail de trois. Oh, je suis pas le seul, hein. Citez-moi un seul ouvrier à Oyonnax qui passe pas d'heures supplémentaires. C'est vrai. Mais t'oublies une chose. Les heures supplémentaires de nuit, c'est payé 50% en plus, soit tu les fais pour rien. Mais j'ai pas le choix. Si j'exige le tarif syndical, on me vire. Déjà une faveur qu'on me fait. Une faveur? Tu fais cadeau 600 francs par jour à ton patron et t'appelles ça une faveur? Écoutez, monsieur Châtelard, vous nous connaissez, on n'est pas des salauds dans la famille. J'ai besoin de 325 000 francs. Moi aussi, depuis que je suis né. Oui, mais moi, hein, j'en ai besoin tout de suite. Alors, je vais vous expliquer. Je suis fiancé avec Marie-Jeanne Le Mercier. On veut se marier et quitter la ville. Si je verse 325 000 francs d'ici la fin novembre, on me donne la gérance d'un snack bar. Et ça, c'est une occasion unique. J'ai pas le droit de la laisser perdre. À ton âge, je rêvais de faire la révolution, de libérer tous les travailleurs. Moi, je fais pas de politique, je veux vivre aujourd'hui. Ça te regarde. Gagne ton argent, mais dans les règles. Pas une seule heure supplémentaire sans majoration. Et qui m'en empêchera? Ton patron lui-même. On ira le trouver, ça m'étonnerait qu'il risque une histoire avec le sanitarien pour te faire plaisir. Vous êtes les plus forts, vous en profitez. Parfaitement, mon gars. C'est que... voilà, Marie-Jeanne ne peut pas attendre pour se marier. Explique-moi ça. On n'a rien à expliquer, ça se comprend tout seul. Montre un peu tes yeux. J'aime pas ton air. Pourquoi me cherchez-vous des creuses? Je suis honnête, moi. Quand j'ai su que nous allions avoir un môme, je lui ai proposé de l'épouser. Ça vous oblige pas à partir? La Marie-Jeanne ne se plaît pas, Oyonnax. Elle n'a jamais voulu travailler en usine. Elle préfère rester seule chez elle, derrière sa fenêtre, à tirer l'aiguille. Elle se fait des idées. Peut-être que je comprends rien aux jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que tu voudras? Je fermerai les yeux. Je peux pas être impartial parce que je l'aime bien, la Marie-Jeanne. Mais ça ne me plaît pas du tout. En 197 jours, Buzard allait produire 201 780 jouets. Chaque jouet mesure 10 cm. Mis bout à bout, il s'allongerait sur près de 20 km. Moins de 500 mètres séparent les établissements plastiformes de l'habitation de Marie-Jeanne. Au 197e jour, 80 jouets de front, 5000 rangs de 80 jouets pourraient s'allonger sur un demi-kilomètre. C'était un immense, un solennel tapis de jouets qu'il était en train de tisser pour aller chercher Marie-Jeanne. Dis-moi, t'as pas l'air trop fatigué? Pas du tout, non. Ça va comme tu veux? Ça va, ça va. Tu me racontes ça, je te paye un verre. On se retrouve chez Jambes d'Argent. Tu sais que tu m'épates? Pourquoi? Parce que je te connais. Je t'aurais imaginé n'importe où sauf devant une presse injectée. Et surtout 12 heures par jour. Oh, c'est une bagarre comme une autre. Ouais. Qu'est-ce que tu bois? Un vitel fraise. Un autre pastis. Un cognac. Alors, à tes amours. Marie-Jeanne est passée, elle a laissé ça pour toi. Quand ça? Une demi-heure à peu près. Bernard, je viens de voir Châtelard. Qu'est-ce que tu as été lui raconter? C'était pas bien de ta part. Quand on ment là-dessus, on ment surtout. Et tu me mentiras aussi. Je préfère que tu ne viennes plus me voir. Je sais que je te fais de la peine. Mais ça te fera moins de mal maintenant que plus tard. J'ai bien réfléchi, je ne t'aime pas. Je t'aime bien, mais je ne
t'aime pas. Voilà la vérité. Tu prendras la gérance du Snack Bar avec une autre, ou tu ne la prendras pas du tout. Ce qui t'évitera bien des ennuis. Marie-Jeanne. Le ménage va déjà plus. Pourquoi, elle t'a dit quelque chose? Elle, on sait jamais ce qu'elle pense. Mais toi, t'as tout l'air d'avoir perdu l'étape contre la montre. Ne fais pas attention à sa lettre, demain elle te dira le contraire. Ne le connaissais pas. Ne l'écoutez pas, c'est un fat. Tu tiens vraiment à elle? Ne lui écris pas, va pas chez elle. Dans 8 jours, elle te courra après. Ne le croyez pas. Il va bientôt vous dire qu'il a une recette pour faire ramper les femmes. Mais ce n'est pas vrai, il n'y croit pas lui-même. C'est seulement un fat. Mais vous, vous croyez vraiment qu'elle ne m'aime pas? Je crois qu'elle est vexée. Elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Elle a de la pudeur. Ouais. Bon, c'est l'heure que je rentre à la boîte. Si hein. Toutefois, ça vaut encore la peine. Écoutez, faites comme si rien ne s'était passé. Moi, j'irai voir Marie-Jeanne Châtelard. J'aimais mieux quand il rêvait de gagner le Tour de France. Toi, tu as trop lu Plutarque. Tu fais le culte des grands hommes. Cordélia alla voir Marie-Jeanne. Mais Marie-Jeanne restait intraitable. Je voulus en avoir le cœur net. Vous aussi? Non, je suis pas pour le snack. J'aime pas les hot dogs, moi. Alors vous pensez que j'ai raison d'avoir rompu avec Buzard? Je ne pense jamais. Des jeux sont faits. Bon gré malgré, vous épouserez Buzard. Il n'est plus seul maintenant. Toute la ville se mêle de vous rappeler vos serments. Je n'ai jamais fait de serment. Des serments qu'on vous prête. Pour toute la ville, c'est vous qui avez provoqué Buzard à travailler 187 jours et 187 nuits consécutives. Alors? Ma marraine maintenant. Qu'est-ce qu'ils me veulent donc? Pourquoi ne me laisse-t-on pas tranquille? À bientôt, Marie-Jeanne. Vous verrez. Alors, ma petite Marie-Jeanne, qu'est-ce qu'on me raconte? Je n'avais jamais vu Marie-Jeanne d'aussi près ni si longuement. Ce jour-là, j'avais été frappé par le linge qu'elle portait. Une batiste délicate, blanche, ni molle ni cassante, du vrai linge, comme en portaient les jeunes filles des pensionnats. J'avais pour la première fois découvert la qualité de sa peau. Une peau très blanche, elle aussi, très fine, imperceptiblement veinée de mauve. Je m'étais dit, comme elle a l'épaule délicate. C'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi Buzard était devenu sensible au charme difficile de Marie-Jeanne. J'imaginais que le désir tenait peu de place dans sa prédilection. Les héros ne sont pas nécessairement des voluptueux. J'avais raison, les jeux étaient faits. Cordélia et moi, nous sommes partis en voyage pour 3 mois. Nous avons fait le tour de l'océan Indien. Au retour, j'ai repiqué dans mon jardin des plants des terrés à Java. Ils supporteraient ou ne supporteraient pas l'hiver, on verrait bien. Les plantes comme les hommes sont souvent bien plus résistantes qu'on ne le croit. J'ai rencontré Buzard, ravagé. La passion? Non, la machine. 12 heures de travail par jour. 12 heures, 12 heures. Tu connais pas d'autres gars qui font 12 heures par jour? Bernard ne dort pas assez. Il lui reste 12 heures pour dormir. Mais non. Comment non? Je sais compter, quoi. Ben justement, faisons le compte. Buzard prend son premier poste de 8 heures à midi. Bon, il rentre déjeuner chez lui, il est midi et quart. Tu bois trop. Laisse-le faire, maman. Il est plus obligé de garder la forme. Quand même, c'est son 4e. Oh, père. Ça va, je vous le paierai, mon pinard. Parce que vous êtes radin. Je ne veux pas qu'on parle comme ça à la maison, hein. Alors toi aussi, tu t'y mets? Autrefois, tu te fichais de moi parce que je voulais pas boire de vin. Naturellement. Je n'ai jamais su être raisonnable. Le vélo, c'était pas plus malin. Et qu'est-ce qui est malin? De passer sa vie à fabriquer des Edelweiss pour se retrouver à 55 ans sans un rond devant soi. Je ne suis peut-être pas riche, mais au moins, je suis mon maître. Tu te fais du cinéma. Tu te
crois libre parce que tu ne vas pas à l'usine. Mais ton boulot, c'est aussi un patron qui te le paie. Tu es comme moi, c'est tout pareil. Pas du tout. Si j'ai envie de pêcher à la ligne, je prends ma canne à pêche et je ne demande rien à personne. Ouais, ça veut dire que tu laisses maman et Hélène faire ton travail. Je te défends de dire ça. Gassette en dressant avec sa manie de fermer son tiroir à clé. Je crois qu'on va lui voler son fric. On a beau dire, les paysans seront toujours des paysans. Hélène, sois gentille, fous-moi la paix. Dis-leur de baisser la télé, je peux pas dormir. Bernard voudrait que tu baisses la télé, il n'arrive pas à dormir. C'est pas une heure pour dormir. Est-ce que je fais la sieste, moi? Bernard, c'est pas pareil. Faut bien qu'il récupère avec la vie qu'il mène. C'est notre faute, peut-être. Hein? C'est nous qui l'avons obligé. Il n'a qu'à travailler comme tout le monde. Papa, on va pas recommencer à se disputer. Jacques Barre, station-service. Ah là là, son fils se crever pour faire le larbin. Ça calme les nerfs. Ça ne remplace pas le sommeil. À 4 heures, le travail reprend jusqu'à 8 heures du soir. Vers 6 heures ou 7 heures, Buzard tombe de sommeil. Il avale 2 ou 3 pilules de Baxiton. Lui qui ne se dopait jamais. À 8 heures, Buzard dîne en famille. Ensuite, il pourrait dormir jusqu'à 11h30. Mais 4 jours par semaine, il passe la soirée avec Marie-Jeanne. Au cinéma ou au bal, le samedi et le dimanche. Ça fait partie de l'exploit. Chez Marie-Jeanne, le mardi et le jeudi. Si j'en crois ce que tu me racontes, ce n'est pas elle qui le fatigue beaucoup. Gérant, tu sais ce que ça veut dire, gérant? Nous sommes également intéressés aux bénéfices. Au pourcentage, quoi. Et le gars me l'a dit, le jour où nous aurons mis assez d'argent de côté, il nous cédera l'affaire. Moi, j'y pense, je calcule. Devant la presse, j'ai tout le temps de calculer. Si nous ne faisons pas de folie, si nous ne nous pressons pas trop pour acheter la voiture de sport, en 3 ans, le snack est à nous. Et ça, ça nous ouvrira des horizons. Qu'est-ce qui nous empêchera de céder à un type la gérance de ce petit snack, un tout petit snack, et de prendre pour nous la gérance d'un grand, un resto-route, sur la Nationale 6, avec 12 pompes à essence, atelier de réparation, pont de graissage. Tu imagines le gars qui aurait toute une chaîne de snack bar station-service de Paris jusqu'à Nice? Avec motel et tout? Il n'aurait plus qu'à se promener en voiture avec sa bonne femme pour aller ramasser les sous de ses gérants. Un appartement à Paris, une villa dans l'Estérel. Moi, j'aime les roches rouges. De minuit à 4h du matin, dernier poste de Buzard. Hé, hey, il est 4h. Rien n'est ça. Mais dis donc, Bressan, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Je croyais que les paysans se lavaient à 3h du matin en été.
Tu vois que j'avais raison. Le compte est clair. Les jours où il voit Marie-Jeanne, Buzard dort 3 heures. Les autres jours, 5 heures maximum. Le 15 août, le Bressan devait défendre les couleurs de son canton dans le Grand Prix cycliste de Saint-Cloud. Salut. Rien à signaler? Non. T'as encore enlevé le coupe-circuit? Et alors? Ça te dérange? Ben oui, ça me dérange, parce que d'abord, il faut que je perde chaque fois 5 minutes pour le remettre en marche. Et puis parce que je t'aime bien, je veux pas te voir avec une patte en moins. Oh, ça va, change de disque. Tu ferais mieux de venir mettre pour tout à l'heure. Oh, t'en as pas besoin, va, c'est bien toi le plus fort. Alors, tu te sens pas trop rouillé? Oh, rouillé ou pas rouillé, il faudra bien que je me dérouille. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est les autres qui vont dérouiller. Bon, allez, asseoir. Oh, pas plus tard que 10 heures, hein, c'est promis. Parole de Bressan. Tiens, c'est rare que tu sois ici le dimanche. Toi aussi, tu fais des heures. Ça t'étonne, hein? Tu sors pas avec Juliette? Juliette, c'est une salope. Oh! Je vais refuser de l'emmener aujourd'hui aux régates de Genève. Eh ben, elle s'est fait conduire par mon père. Ah, ça m'étonne, parce que Juliette, elle aime bien rigoler, mais elle chasse pas dans les vieux, c'est pas son genre. Bon, en attendant, mon père est parti avec elle et il m'a laissé plein de calculs à faire. Des calculs? Ouais. Tu sais qu'il est question qu'on achète des presses entièrement automatiques? Mais avant, on veut savoir où ça nous entraîne. Il a fallu que je calcule la différence du prix de revient pour tous nos modèles de jouets. La main d'œuvre, le temps d'amortissement, tout le fourbi. J'y ai passé tout l'après-midi, j'ai eu une tête comme ça. Et alors? Il n'y a pas de doute, c'est l'avenir. Pense que notre usine pourrait marcher avec 10 ouvriers au lieu de 100. Tu te rends compte? Oui, je me rends compte. Mais qu'est-ce qui vous arrête? Mon père est devenu méfiant. Il a vieilli ces derniers temps. Avant la guerre, il n'y avait rien d'assez nouveau pour lui. Maintenant, il préfère voir venir. Il attend que les concurrents essuient les plâtres. Il veut risquer qu'à coup sûr. Oui, comme avec Juliette, hein. Avec elle, il tombera sur un os. Elle le fait marcher, mais elle lui donne pas ça. Ben, je te crois, Juliette, c'est pas une putain. Tout de même, t'as de la chance de pas t'être laissé embobiner par elle. T'as envie? Ah, ça, pour être verni, je suis verni. Allez, bon courage. T'es rudement verni. Qu'est-ce que je fous, là? Qu'est-ce que je vaux? Quand je suis sur un vélo, quand je cours, je lutte pour quelque chose. Je suis moi-même, je suis quelqu'un. Mais ici, j'ouvre une grille, je ferme une grille,
Je jette des poissons et des canards dans un carton. Mais j'attends. Et je recommence. Je suis rien de plus qu'une pièce dans une machine. Dans quelques mois, dans quelques années ou plus tard, c'est une machine qui fera ce que je fais. Si elle ne le fait pas aujourd'hui, c'est uniquement parce que le père Morel n'est pas encore tout à fait sûr que l'heure d'une machine automatique lui coûtera moins cher qu'une heure de Bernard Buzard. Rien à faire. La révolution. Demain, toujours demain, les lendemains qui chantent, comme ils disent. J'y crois pas. Je veux vivre aujourd'hui. Moi, je me tire. Dix heures et demie. Bressan n'est pas rentré naturellement. J'aurais dû m'en douter. Pourvu qu'il tienne debout. La star que t'arrives, toi? Attends. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai gagné. Eh ben, c'est à toi, garde-le. On partage tout. Mais non, y a pas de raison. On est les deux bœufs de la même paire. Allez. Hélène. T'as pas vu Marie-Jeanne? Si, mais elle est partie il y a une heure, elle avait sommeil. Elle m'a dit de te dire qu'elle t'avait attendu pendant une heure. Le champion. Le champion de la presse à éjecter. Bonsoir, Bernard. Mais dis-moi, il est minuit passé, tu ne travailles pas? Le grand bizarre abandonne? Non, cette nuit, c'est le Bressan qui travaille. Ah bon? Moi, je l'ai remplacé toute la journée pour qu'il aille courir, alors maintenant, j'ai mon compte. Oh. 15 heures de fil aux presses, ça vous dit rien? Et pourquoi tu ne vas pas te coucher? Non, je fais tout sommeil. Tu devrais aller au bal, ça te changerait les idées? J'en viens. Ah! Vous vous êtes disputé, Marie-Jeanne et toi? Même pas. Hein. Je sais bien que j'étais en retard à cause du Bressan, mais enfin, elle aurait pu m'attendre. Et des fois, je la comprends plus. Elle est pas très. Elle est pas très affectueuse. Robuzard, qu'est-ce que tu bois? Un rhum. Allez, du rhum pour tout le monde, c'est ma tournée. Tu viens, Paul? Non, merci. Paul me fait la tête. Il est jaloux. Jaloux? Jaloux de son père qui m'a emmené au régate. Y a pas de quoi être jaloux. Mon père, je le connais, t'es pas du tout son genre. Si t'as emmené, c'est pour la galerie. Non, je suis pas jaloux. Mais je veux pas être ridicule. Et il dit qu'il m'aime. Ce qui compte pour lui, c'est l'amour propre. Si bien que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est faire pour moi seulement dixième de ce que fait Bernard pour sa Marie-Jeanne. On laisse Marie-Jeanne où elle est. Ramène-nous ça, j'ai soif. Non. De quoi tu te mêles, toi? Je t'interdis de boire un verre de plus. De quel droit tu m'interdis? Tu ne vois donc pas qu'ils vont t'avoir? Qui ça? Le père et le fils. T'es marrant, toi. Alors? Ta machine te salue. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas la machine idéale. Rien à payer pour l'achat, je te coûte que l'entretien. Et encore. C'est comme ça que tu m'en remercies? On dirait que j'ai pas fait l'impossible pour que tu puisses les gagner, tes 325 000 francs.
Non, ils ne mourront pas parce que moi, je vais me tirer. Dans 10 ans, tu seras encore en train de la servir, sa presse. Non, puisque je vais me tirer. Toi, tu as du cœur. Moi, je t'aime. J'ai compris. Alors, c'est moi qui dois me tirer. Bonne nuit. Tu vois comme elle est? Tu mettras sur mon compte. Quoi? Tout. Je suis bon qu'à ça. C'est idiot, mais j'ai vraiment le béguin pour elle. Tu es belle, Juliette. Comment peux-tu coucher avec eux? Si tu voulais, ça serait vite oublié. Quand je te vois, je suis content de vivre. Si tu voulais, Bernard. Tu sais bien que j'aime Marie-Jeanne. C'est vrai. T'aimes Marie-Jeanne. C'est drôle, hein. Tu me plais plus que Marie-Jeanne. Je suis mieux avec toi. Tu es plus gentil. Pourquoi est-ce que j'aime Marie-Jeanne? Nous n'avons pas de chance. Oui, Marie-Jeanne, elle est un peu comme eux. Elle calcule, elle a des petits gestes. Elle se défend. Contre quoi? Elle se défend. Toi et moi, nous sommes des lions. On croit ça. Moi, je suis un lion. J'ai décidé de me tirer, je me tirerai. Oh, il y en a, adieu. Petit lion. Tu te moques de moi? Ça fait rien puisque je t'aime. Pourquoi tu te moques de moi? Les lions se tirent pas. Ouais, tu dis ça parce que tu aimerais que je reste ici. Mais toi aussi, tu te tireras. On se tirera tous. Il restera plus que les deux Morel, tout seuls avec leur machine. Comme tu es belle, Juliette. Tu peux le coucher. Hein? S'il veut, il peut s'éteindre sur la banquette. Hein? Tu le réveilleras. Il doit relever le Bressan à 8 heures. Oui, il faudra bien qu'il se réveille. La serveuse vient me faire à la salle à 6 heures. Près de 3 mois ont passé. Nous sommes le 5 novembre. Dans 13 jours, Buzard aura terminé son exploit. Pour la première fois depuis 6 mois, Buzard et le Bressan se reposent ensemble. La maison Plastoforme a mis son personnel en congé pendant 2 jours pour permettre l'installation sur les presses d'un nouveau système de refroidissement. Un jouet qui mettait 30 secondes à refroidir n'en mettra désormais plus que 10. C'est bon, hein? On se croirait jamais au mois de novembre. Dis donc, qu'est-ce que tu dirais de... Justement, j'y pensais. Sabiche? Ouais, Sabiche. Je t'attends au col. Bah, mon premier vélo, il n'avait pas de dérailleur. Et c'était quand, ça? En février, là, cette année. Et t'étais jamais monté sur un vélo de course avant février? Jamais. Bah, t'es champion, toi. Hein?
Oui, mais je crois que je préfère les vélos sans dérailleur. Tous ces braquets, ça me brouille les idées. Regarde le jour où tu seras de servir d'un vélo, toi, tu seras champion, champion, hein. On y va? Où ça? Au col de la Croix-Rousse, en passant par Cluseau. Oh non, il se fait tard, hein. Je suis crevé. Puis à quoi ça arrive de m'entraîner? De toute façon, le vélo, pour moi, c'est fini. Pourquoi tu dis ça? Tu sais bien pourquoi. Ah. Tu ne seras pas toujours là à ton comptoir. Et puis la Marie-Jeanne, elle pourra bien se débrouiller toute seule. Bressan, t'es pas complètement idiot. Alors? Tu vois, ça va beaucoup plus vite comme ça. Ah bah tant mieux. Comme ça, on attendra moins. Ce serait tant mieux si on était payé aux pièces, mais à l'heure, on est volé. Pourquoi? On touchera moins? Ah, Bressan, t'es vraiment un champion, toi, hein? Champion des diocèses. Le changement de rythme n'était pas perceptible. Les mouvements restaient aussi lents que par le passé. C'était un temps de repos qui avait été supprimé, cela ne se voyait pas. Et pourtant... Qu'est-ce que tu attends, là? Rien. Tu veux pas te coucher? Ça me dit rien d'aller jusque chez toi. Va te coucher, maman. Je vais l'attendre. Hé, hey, c'est ton tour. Il est minuit passé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dormais les yeux ouverts. Je dormais pas. La preuve que tu dormais, tu m'as pas entendu. Ben, si t'as poussé un cri de sauvage. Je t'ai parlé avant de crier. Alors je dormais. Les yeux ouverts. Si tu as trop sommeil, réveille-moi avant mon tour. Je t'amène le coup que toi. Penses-tu? Il est toujours pas rentré? Ouais, non. Le Bressan non plus? Non. C'est pas possible, il doit lui arriver quelque chose. Je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il venait plus manger. Où est ton copain? T'as rien mangé depuis ce matin? Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? J'ai pas le temps. Ou plutôt... Plutôt... Plutôt quoi? Tiens. Rentre à la maison. Il y en a plus que pour 3 jours. Dimanche, c'est fini. Eh ben, vous irez jusqu'à lundi, c'est tout. Vous n'allez pas vous tuer pour finir un jour plus tôt, non?
Allez, rentre, mangez et dormir. Je peux pas laisser la machine. Mais la machine attendra aussi. Père Morel, il sera pas ruiné parce que sa presse sera restée un jour sans marché. Il n'y en a plus que pour 3 jours. Ça fera 4. 4, je pourrais pas. Quatre jours, je pourrais pas. Je peux pas comprendre. Je veux pas m'arrêter. Moi, je tiens très bien le coup. Oh, le mieux, ce serait que jusqu'à dimanche, tu nous portes à manger ici. Ah non, jamais de la vie. Pour les 3 derniers jours. Mais c'est malsain de vivre ici. 3 jours, c'est pas la vie. Dimanche à 4h de l'après-midi, c'est mon dernier poste. À 8h, la quille, je t'emmène au bal. On verra ça. Qu'est-ce que tu veux manger? Des fruits et du chocolat, comme les coureurs. On est au sprint! Alors, c'est la quille? Demain, dimanche 18 novembre à 20h. Bravo! J'aurais jamais cru que tu tiendrais le coup. 325 000 francs de bénéfices nets en 6 mois et quelques jours. C'est joli. Tu vois que tout le monde peut devenir capitaliste. Pas sommeil? T'es trop nerveux, je te l'ai toujours dit. Enfin, tu dormiras demain. À minuit, je viendrai te chercher, je t'emmène au bal. T'as pas peur que je te souffle ta Marie-Jeanne? T'es pas peur, c'est pas mon genre, moi c'est plutôt l'aigle. Ah bon, je croyais que c'était... Oh, t'as raison, nom de Dieu, qu'est-ce qu'on va se quitter? Plus que 4 postes. 16-20, minuit 4h, 8h midi, et encore 16-20. J'arrive pas à y croire. Devine qui est là. Marie-Jeanne. Tu es gentille d'être revenue. Tu es gentille. Ben, on touche à la fin. Tu vois, j'avais raison. T'as pas l'air tellement content. Je me sens comme au cinéma. J'ai l'impression que c'est pas moi. Ça doit être la fatigue, ça. Arrête-toi un moment et mange. Je vous ai préparé des sandwichs au roast beef, à la moutarde. Non, je peux pas. Goûte-en un peu au moins, tu vas me vexer. Écoute, apporte-moi plutôt à boire. Je vais porter son casse-croûte au Bressan. Je reviens. Mon beau grand. Pas attention. À demain. Je viens te chercher à 8h.
T'es une belle charogne. Mais tu nous as pas eu, hein? Demain, à cette heure-ci... Demain, à la même heure, j'en aurai fabriqué 201 780. Dis-moi, j'arrive pas à dormir, autant que je te remplace tout de suite. Comme tu veux. Moi, on n'a pas besoin de me verser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai oublié de remettre le coupe-circuit? Non, il y est. Ça m'aurait étonné aussi. Qu'est-ce qui peut bien se passer? C'est le système de sécurité qui est détraqué. La grille ne sert plus à rien, ouverte ou pas. Le courant passe quand même, c'est tout. Fallait que ça arrive le dernier jour. Peut-être pas, d'ailleurs. Si ça se trouve, le système est cassé depuis longtemps. Comment le savoir? Le Bressan travaille toujours sans coupe-circuit. Moi qui me donnais la peine de le remettre à chaque fois. Qu'est-ce que je fais? J'arrête et je vais me coucher? Non, je peux pas. D'abord, il faudra attendre jusqu'à lundi, parce que le dimanche, le service d'entretien ne marche pas. Puis, de toute façon, je peux pas. J'ai l'impression que si je m'arrête maintenant, je pourrais plus jamais m'y remettre. Je n'ai aucune raison d'abandonner. J'ai dit que je finirais le 18 novembre, je finirais le 18 novembre. C'était absurde. Qu'il fabrique 201 580 jouets au lieu de 201 760. Qu'il gagne 324 700 francs au lieu de 325 000, cela ne pouvait plus rien changer à son destin. Il aurait même pu quitter l'atelier immédiatement. Le calcul n'était pas à quelques centaines de francs près. Mais c'était la dernière chose qu'il put avoir la présence d'esprit de penser. Et puis quoi, travailler sans sécurité, qu'est-ce que c'est? Ils le font tous. Je n'ai qu'à faire attention. Je ne suis pas plus abruti que le Bressan. Il faut simplement que je compte combien de secondes le moule reste ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 secondes, j'ai largement le temps. Ça doit faire au moins deux fois ce qu'il me faut pour détacher la plaque. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ira. Mais il faut que j'essaie de faire plus vite. Il faut que j'augmente la marge de sécurité. 1, 2, 3. J'ai gagné 2 secondes. J'ai plus de 3 fois le temps. Il n'y a aucun danger. Je me sens mieux tout d'un coup. Je comprends pourquoi les autres préfèrent travailler sans grille. Ça n'a l'air de rien, cette grille à ouvrir ou à fermer. Mais au bout de la journée, combien ça fait de gestes en plus? 1, 2, 3, 4. Ouais, combien de gestes en plus? Ça doit pouvoir se calculer. Voyons, supposons que je sorte une plaque toutes les 30 secondes. Dans la journée, ça fait... J'y arrive pas, j'ai la tête comme une gourde. De toute façon, je dois faire beaucoup. 1, 2, 3. Je me sens plus léger. J'ai l'impression de rouler en roue libre. Un... 2, 3, 4, 5,
6. Attention, je perds du temps. J'ai encore beaucoup de marge, mais quand même. Faut pas que je me fasse pincer les doigts. Il ne faut pas. Il ne faut pas dormir. Au lieu d'eau de Cologne, Marie-Jeanne aurait fait de m'apporter du café. Le voyageur qui passe par Oyonnax s'arrête quelquefois au café qui porte l'enseigne au bar américain. Des joueurs de tarot, jeu de cartes fort pratiqué dans les monts du Jura, occupent habituellement une table d'angle au fond de la salle. L'un des joueurs est manchot. Après l'accident, tout le monde avait été gentil. Ce genre de gentillesse est fréquent, on préfère les héros quand ils sont abattus. Bien sûr, le propriétaire du snack n'avait pas voulu d'un manchot pour gérant, mais il avait rendu la caution intégralement. Le bar américain était à vendre. Jambes d'argent avait consenti des délais. Marie-Jeanne, elle, s'était résignée à ne pas quitter Oyonnax. Au fond, elle avait toujours été persuadée que Buzard ne réussirait pas à accomplir son exploit. On ne se tire pas, on ne s'en tire pas, c'est la vie. Toute la ville avait assisté à leur mariage. On leur avait offert mobilier, batterie de cuisine, vaisselle, tout en plastique, et même des fleurs pour toute leur vie. Buzard était devenu hargneux et ne se pardonnait pas son échec. Mais un psychanalyste dirait qu'il provoque lui-même ses échecs. Il était tombé de vélo au moment de gagner la course, il s'était coupé le poing au moment de triompher de la machine, il avait voulu se punir d'aimer une femme sans cœur. Un marxiste, lui, dirait qu'on n'échappe pas à sa condition sans transformer la société qui vous a enfermé dans cette condition. Ce que voient les gens d'Oyonnax, c'est que Bernard est malheureux. On aime le drame, on n'aime pas le malheur. Les clients se font de plus en plus rares au bar américain. Tiens, tu pourras le mettre plus près du bord encore. Un seul fidèle, le Bressin. Il a fini son service et il vient chaque année travailler quelques mois aux presses quand il a besoin de matériel agricole pour la ferme de son père. Le paiement des traites à jambes d'argent a circulé d'année en année, il se fâche. Il faudra bientôt fermer boutique. Marie-Jeanne travaillera à Plasteforme. Dans l'atelier de sa mère, c'est déjà réglé.
Buzard surveillera la nouvelle presse. Entièrement automatique. Un manchot peut faire ça. Madame Lemercier, la mère de Marie-Jeanne, fait l'addition des salaires. Nous serons pas mal à l'aise, a-t-elle dit à Cordélia. Dans quelques instants, le passage du Grand Prix de la Droguerie Centrale, en haut du col de Corvésia, où sera disputée une prime de la municipalité. Attention, amis sportifs, dans un instant. Allez, Buzard ! Vas-y, Buzard ! Vas-y ! Je veux vivre aujourd'hui. Moi, je me tire. On croit ça. Ils ne peuvent plus te rattraper. Vas-y, fonce, garde ton rythme. T'es sûr de gagner. C'est dans la poche. Tu ne vois donc pas qu'ils vont t'avoir? Non, ils ne m'auront pas parce que moi, je vais me tirer. Dans 10 ans, ils seront encore en train de la servir, sa presse. Vas-y, Buzard ! Vas-y ! Tu es presque arrivé ! Il ne reste que 30 kilomètres ! Moi, je suis un lion. J'ai décidé de me tirer, je me tirerai. Oh, il y en a, adieu ! Les lions ne se tirent pas.